Tu sais, Tata, elle est toujours comme ça. Je lui ai dit, hein. Ça commence à faire un peu beaucoup. Ouais, mais bon, c'est rien. Clotilde, qu'est-ce qu'il y a? Tu manges pas? Tu as mal à la tête? À l'école, ça s'est pas bien passé. Et à la dictée, j'ai eu... zéro. Bon, alors écoute, c'est pas grave. C'est une mauvaise note, ça peut arriver. Il me semblait que vous l'aviez travaillé, cette dictée. Oui, on l'a travaillé, mais bon. Là, papa, oui. Il va bien bien regarder les devoirs. Et puis, la prochaine fois, on n'aura pas zéro. Oui. Hein? Voilà. Très mieux. Voilà ce qu'on va faire, tout simplement. Et la maîtresse, elle t'a demandé quelque chose? Bah, elle a dit que j'allais redoubler. Redoubler? Ah non, non. Ah non, non. Non, non, non. Tu vas pas redoubler, ma chérie. Parce que maman et papa, on va aller voir la maîtresse, hein, et on va lui parler. Oui. On va arranger ça. Hein. Papa, par contre, il est très en retard. Donc, il va y aller. Tu termines bien ton assiette, oui. Ma puce. Hein. Nous aussi, on est pas en avance. S'il te plaît. Oui. Ouais, vous vous dépêchez? Voilà. Bon. Ce soir. À ce soir. Très bien. À l'endroit qu'on veut. C'est bien, c'est romantique comme rendez-vous pour une première fois. C'est ma première. Ça y est, c'est ma première. Je suis tout excité là. Ça y est, je vais braver mes interdits, je vais franchir le Rubicon, je vais explorer mon double fond. Enfin bon, je dis ça, on a tous un double fond. Hein.
Enfin, en tout cas, voilà, moi je vais. Ça y est, j'assume le mien. J'assume mon côté crade. Non. Je t'arrête tout de suite là. Tu vois, le monde se divise en deux catégories. Il y a les gens propres et les gens sales. Ouais, bah alors je suis un Jean sale. Non, mais j'aime bien quand c'est brutal, quand c'est immoral. Tu t'es déjà confessé? Je suis d'accord, ouais. Ça va pas, ouais. Ça peut être bien. Bon. Ma chérie, comment ça s'est passé à l'école cet après-midi? Ben, ça s'est bien passé, et puis la maîtresse, elle nous a dit en devoir de faire une rédaction sur notre papa. Ouh, c'est rigolo, ça. Assis! Tu as fait beaucoup de mal! Tu as fait le mal! Tu es le mal! Tu vas souffrir. Ça, c'est une bonne idée, ça. Est-ce que tu vas raconter? Pas trop de bêtises, j'espère, hein. Mais qu'est-ce que t'as à l'œil? Oh, c'est rien, ça. Papa, il s'est blessé à l'atelier tout à l'heure. Cette rédaction, on ne pourrait pas la faire pour la maman aussi? Moi, je sais que mon papa se maquille. Moi, je sais que mon papa se déguise.